Yo les gars, c'est Loupelfit, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo pour le test en joueur. Et aujourd'hui, on va tester Harry Kane, version Poti. Donc voilà, donc je l'ai payé 70 500 crédits, mais je l'ai payé il y a quelques temps, il a un peu baissé, je crois. Donc on commence directement par ses statistiques. Donc j'ai, par rapport aux autres testeurs en joueur, j'ai fait quelques petits matchs. Donc voilà, pour l'instant il n'a pas brillé, je vous le dis franchement. Mais bon, on espère ouais, qu'il va se révéler après. Donc 78 en vitesse, donc il est assez lent. 87 en tir, donc ça c'est sa grande force, hein, sa finition. 75 de passe, 80 de dribble, c'est pas terrible, il a que 3 étoiles gestes techniques. 80 physique, il a un bon physique et 3 étoiles mauvais pied. Donc voilà, donc il a marqué 4 buts et il a joué 7 matchs, donc c'est plutôt pas mal. Donc les gars, on lance directement un petit match et puis on va voir ce que ça donne un match. Donc allez, à tout de suite. Ok les gars, donc on a trouvé notre adversaire. Ça a l'air d'être une Serie A, donc c'est une Serie A, petit budget. Hein. Donc allez, on va voir ce que ça va donner dans ce match les gars. Donc ouais, petite Serie A, hein, classique, hein, comme on connaît. Donc allez, à tout de suite. On se retrouve pour les meilleures actions de ce match, à tout de suite. Kane. Oh bien joué ça, Kane. Harry Kane. La frappe de Harry Kane, et c'est le but les gars. 1-0, premier but d'Harry Kane dans ce match. Donc franchement, une belle percée là avec une frappe. Mais ça, c'est son gros avantage, c'est qu'il a une puissance de frappe phénoménale. Et là, bah voilà, il envoie un pétard dans la lucarne droite. Donc ouais, bim. Ouais, très grosse frappe. Hein. Donc ça fait 1-0 les gars. Donc on va essayer de tenir ce score pas mal. Hein. Donc allez, on est parti pour la suite de ce match. Par contre, arrête de faire des LBY là. Et ce qu'on petite KSI tentée par mon adversaire hein, au passage. Ouh, dommage. Grosse frappe là dans Harry Kane. Ça a failli passer. Hein. Bien joué ça. Clichy qui est passé, les gars. On a vu Harry Kane. Kane la frappe pour le poteau. Le poteau, les gars. Poteau d'Harry Kane. Dommage. Grosse occasion, encore une fois. Mon adversaire, là, qui est archi-dominé. Oh, oh, non, non. Non. Voilà, bien joué, ça. Non, 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 non. Mais non, mais on lui redonne, les gars. On lui redonne. Il y avait mon câble de casse, là, qui me bloquait. Du coup, je jouais plus. Enfin, voilà. Voilà, ça fait un partout. Bon, je pense pas que ce soit vraiment très mérité, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis, hein, on va lui remettre un autre petit butin rapidement, les gars. Donc, vous inquiétez pas. Donc, allez, par contre, si tu peux passer, hein, t'as peut-être mis un but, mais poteau, c'est pas la fin du monde. Ouais. Donc, allez, un but partout. Dommage. Va falloir réagir. On va pas rester un partout, hein, je vous le dis. Bien joué. Allez, Mata. Petite faute. Eh les gars, vous savez quoi? On va le tenter avec Harry Kane. J'ai bien envie de le tenter avec Harry Kane là. On va voir ce que ça peut donner ce petit coup franc. Donc allez, j'ai envie de le tenter avec Harry Kane. On va voir ce que ça donne les coups francs. Voilà, je pense pas que ça va être terrible, mais on peut toujours essayer. Hein. Quoique. Bon allez, si on va le tenter avec... Oh oui, Kane. Il a vraiment une stade dégueulasse. Hein. Putain, va pas falloir mettre trop de puissance. Ouais, non. Coup franc dégueulasse. Hein. Harry Kane, c'est pas son fort, les coups francs, les gars. C'est le corner construit. La petite technique. Quadrado, t'enroules. Dommage. Ah, encore un petit coup franc. Là, les gars, on va le tirer avec David Silva. Hein. Je suis pas fou. Hein. Harry Kane, il est pas terrible, finalement. Donc, allez, David... Ok, donc bien repoussé par le mur là. Allez. Oui. Matic. Coup franc, les gars. On se rapproche un peu, tu sais. On se rapproche. Attends, pire. Pire. Non, attends. Eh, les gars, petite combi. Regardez la combi.
Regardez la combinaison, les gars. Et ouais, bien joué ça. Belle petite combinaison là. Ça nous permet de reprendre l'avantage après bah, cette grosse phase de jeu de domination. Hein. Mon adversaire là, dans les 15 dernières minutes, là, il voyait plus trop le bout du jour. Et donc là, on concrétise par cette belle petite belle petite combinaison. Hein. Donc là, comme j'avais vu qu'il y avait un joueur, je me suis dit autant lui faire la passe. Et puis derrière, bah, Matic est fini, les gars. Matic est fini. Donc c'est parfait. Ça fait 2 buts à 1. Hein. Donc là, maintenant, bah, va falloir gérer quoi. Va falloir gérer, pas se reprendre d'autres buts. Surtout ça, hein, le plus important. Surtout ça, pas se reprendre de buts, les gars. Donc allez, plutôt pas mal. Par contre, là, pas de but sur corner, s'il vous plaît. Pas de but sur corner, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon, tranquille. Donc là, vas-y, on dégage vite. Il y a Kane devant. Ouais, Kane, dommage. Il était un peu tout seul, hein. Un petit peu tout seul. Donc là, attention. Koscielny, t'assures avec Hugo. Oh là, parfait. Hop, on va jouer avec Clichy, la technique. Clichy, la technique, la vivacité. Allez, bien joué ça. Mais non, David, je t'ai pas demandé de faire une frappe. Je t'ai demandé de faire une petite passe pour une petite fin, je veux dire. Allez, attention. Oh. Tac. Bien joué ça, la défense. Belle défense, là. Attention, les gars. Pas de but maintenant. Oh, le gardien, il est monté, les gars. Oh, le goal, il est monté. La tête. Oh, bien joué. Vite. One. Oh putain, dommage ça. Oh, oui. Oh non, il est revenu. Il est revenu, le gardien, dommage. Allez, Kane. Oh, Kane, il n'y a plus personne. Tu la remets à Henry Kane, il n'y a plus de défense. Mais wesh, il y a faute, garçon. Siffle, carton là. Kane, franchement, ouais, dommage. Vas-y, là, on est loin, les gars. On va le faire tirer en Henry Kane. C'est quoi? On est tellement des TV life, mon gars. Oh, Kane, ma gueule. Eh, wesh, les gars. Eh, vous le sentez ou pas? Moi, je le sens bien, les gars. Ouais, non. Dommage, ça passe juste à côté. Fin du match, les gars. Donc, victoire. 2-1. Donc, alors, comme d'hab, je vais vous dire mon ressenti avec ce joueur. Donc, Henry Kane, c'est surtout un joueur qui va être un finisseur. Donc, j'arrive dans 30 secondes. Donc Henry Kane, ça va être surtout un joueur qui va être un finisseur. Il va finir les actions. Il a une très très bonne qualité de frappe, hein, en tout cas. Et une vitesse et une technique limitée, mais ça passe quand même. Donc c'est un très bon joueur, les gars. Même si je préfère plutôt un Agüero qu'un Kane. Je préfère poser 70 000 crédits sur Agüero que sur Kane. Mais après, c'est un choix personnel. Donc en tout cas, victoire, les gars. Donc si vous avez apprécié ce petit testant un joueur, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Moi, je vous dis à la prochaine, les gars. C'était Loupelfut. Ciao, tout le monde.